les enfants, comme vous le savez, le virus est encore toujours présent, donc il y a plein de petits microbes sur les mains. C'est pour ça que sur le site Éducartable, j'ai mis des petites activités où il faut apprendre à se laver les mains, une petite chanson pour vous aider, j'ai proposé de fabriquer son propre savon, et j'ai retrouvé dans ma petite réserve de livres un livre qui s'intitule « Brosse et savon » et je vais vous le lire. Brosse et savon. Aujourd'hui, il fait chaud. Gilles part se baigner. Ce matin, il fait beau. Jules va à la rivière. Plouf ! L'eau est si bonne, dit Gilles. Splash ! La boue est si douce, dit Jules. C'est si bon de faire la planche, se dit Gilles en souriant. C'est si bon de faire la sieste, dit Jules en s'endormant. Et maintenant, un petit bain de soleil, soupire Gilles en bâillant. Fait Jules. Quel horrible bruit, grogne Gilles. Impossible de fermer l'œil. Fait Jules. Quelle affreuse odeur! Mais quelle vilaine bête! Chut! Tais-toi! Fait Jules. Arrête de ronfler! Hurle Gilles. Tu cherches la bagarre? Demande Jules. Silence, espèce d'horrible monstre puant, dit Gilles. Va plutôt prendre un bain. Moi, un horrible monstre puant, dit Jules. Tiens, prends ça, mon minable petit loup. Chut, j'entends des filles, dit Gilles. Cachons-nous, dit Jules. C'est ma sœur, dit Gilles. C'est ma sœur, chuchote Jules. Gouah ! Je suis l'horrible monstre puant. Bouh ! Je suis le méga, méga grand méchant loup. Ah 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 ! Nous, on adore faire peur aux filles. Oh, les dégoûtants ! Gronde le père de Gilles. Une seule solution, brosse et savon, dit le père de Jules. Ah ah ah, j'adore quand ça sent le savon, dit la sœur de Jules. Ah ah ah, j'adore me moquer des garçons, dit la sœur de Gilles. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas qu'il est important de bien bien se laver les mains tout le temps, parce que je me doute bien que vous n'allez pas vous rouler dans la boue. Mais je n'avais pas d'histoire sur le lavage des mains. Voilà, mais vous lavez-vous les mains très très souvent, dès que vous vous mouchez, dès que vous touchez un objet, dès que vous allez à la poubelle, dès que vous sortez dans les magasins avec papa et maman. Voilà, important pour éviter et éliminer tous les petits microbes. À bientôt.